Je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir vous aider. Mon père n'a rien gardé de ces années-là. Ni des suivantes, d'ailleurs. J'ai entendu des tas d'histoires sur les premières années. Le combat entre Jock Ewing et Digger Barnes a commencé à l'époque. Comment ils ont été d'abord associés, comment ils se sont rencontrés alors qu'ils ne devaient pas être très âgés pendant la crise. Et comment ils ont travaillé comme des fous et enfin trouvé un gisement. Et comment ils se sont brouillés. Je ne le sais pas. D'après certains, c'est à cause d'un marché. D'après d'autres, c'est à cause de maman. Je dois avouer que c'est assez ridicule. Maman et Digger Barnes. Oui, vous savez qu'on adore les histoires dans notre beau Texas. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est très dur de distinguer le vrai du faux dans ces histoires. Il y a une chose qui est sûre. Digger Barnes a essayé de tuer mon père et ça, c'est la vérité. J'étais là. Je ne sais pas pourquoi mon père était brouillé avec Digger. Je le lui ai demandé, et même plusieurs fois. Je disais, c'est un ivrogne, un raté. Il a essayé de te tuer, pourquoi tu ne le chasses pas? Oui. Papa restait silencieux et faisait appel à sa mémoire, et il disait qu'il ne savait pas où il en serait s'il n'avait jamais connu Digger Barnes. Personne ne réussit seul, il ajoutait. Une fois, il a même dit, tu ne serais pas là s'il n'y avait pas eu Digger Barnes. Il n'a jamais voulu m'expliquer ça, et ça vaut mieux sans doute. Et je tiens de mon père, évidemment. Je tolère Cliff Barnes, pas vrai? Pourtant, il poursuit la guérilla. En réalité, je crois qu'en affrontant les Ewing aussi publiquement, il se sent un peu moins raté. Oui, je suis plutôt sentimental. Je pense que si mon père s'est battu contre Digger, je dois faire pareil avec Cliff. Pour la tradition, voilà tout. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Votre idée est assez passionnante, mais je ne sais pas du tout où vous trouverez la vérité sur ces années-là. Digger est mort, papa aussi. Il y a certaines choses qu'on ne saura jamais. Et c'est dommage. On aurait pu en tirer une belle aventure. Et ne prenez pas la peine d'interroger Cliff Barnes, il est très bavard, mais il ne sait rien.